cette semaine, j'ai entendu parler d'un drôle de truc qu'on appelle le café au beurre. J'en ai parlé sur Twitter et on m'a lancé le défi d'y goûter. Donc, il y a mon ami Mathieu du Café Pavé qui m'a promis de m'en préparer. Alors, je me dirige vers là pour goûter à la chose. Là, j'ai un petit peu peur d'avoir mal au cœur en goûtant ça. Mais on va voir, j'aime les défis. Un petit peu moins drôle quand on approche là, puis de savoir qu'on va boire ça. Les tenants de la dire paléo, le café au beurre devrait me donner une énergie débordante et m'aider à maigrir. C'est eux autres qui ont inventé ça et ils appellent ça le Bulletproof Café. J'ai besoin d'un petit Bulletproof Café, toi, pour te faire maigrir. On est presque arrivé. C'est ici. Bon, Mathieu, est-ce que tu connais ça, le Bulletproof Café? Bulletproof Café? Ben, pas depuis que j'ai entendu. Je l'ai toujours vu chez Double. Puis là, j'ai vu qu'Antoine parlait de ça. T'es fin. Fait que tu m'empoisonneras pas. Tu vas préparer ça. Puis, on va faire ça ensemble. Super, c'est convivant. Fait que t'as du bon beurre. Bon, toujours non salé. Demi-tasse. Non, je pense que c'est comme une cuillerée à table. Tu commences? Ouais, c'est bon. On va commencer par ça. Bon, on met le reste à Peut-être que tu vas devenir addict puis tu vas boire ça tous les matins. Là. Peut-être que non. Ah, il faut pas dire non avant d'y avoir goûté. Non, mais c'est ça. Bon. Ben, je te laisse goûter. C'est, oui, c'est ça. Tout le monde me laisse goûter en premier. Café pavé et j'attends les effets du café. Là, ça file comme si j'avais bu un bon double expresso bien serré. Alors, on verra dans le temps si... Oups, j'ai la couette dans le vent. Alors, on va voir si j'ai de l'énergie à revendre pendant plusieurs heures. Alors, ça fait quelques heures que j'ai bu mon café. Et franchement, je suis encore sur un petit buzz. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose là, le café au beurre. Essayez-le, on ne sait jamais. Je pense que je vais répéter l'expérience demain matin, puis quelques jours d'affilée, puis on verra bien. Ben, merci d'avoir été là.